Mon cerveau s'allume. Presque tout seul. Entre l'hémisphère droit et le gauche, c'est la bataille. Au milieu des deux, un petit poids qui monte et qui descend. Dans l'ascenseur des chiffres et des courbes qui baissent et qui augmentent entre nombre de voix supposément frauduleuses et nombre de victimes suppositoirement sur une voie de garage. Un petit poids tout vert. De rage. Petit poids deviendra gros. On va encore se ramasser des kilos à l'appel. Prêts à exploser, les survivants? Tous reconfinés. Restons positifs. C'est reparti pour des apéros et des bonnes bouffes pour se rassurer, in fine. Sur les écrans multiples, en overdose, sur les vecteurs anxiogènes qui profitent des crises de foie pour faire leurs petites affaires, ils nous vendent du rêve, de la santé et du bonheur. À Noël, on aura reperdu notre gros petit poids grâce aux poudres de Merlin Pimpin. Comme ça, on pourra rebouffer et regrossir, consommer, déconsommer, confiner, déconfiner, confiserie confuse, déconfiserie confite, vite mon Dieu, redevenir fit. Ou faire la queue pour ne pas subir la faim. Comme à Genève, en Suisse. Oui, en Suisse, il y en a qui crèvent la dalle. C'est pas possible, pas chez nous, il n'avait point comme nous. On était les meilleurs dans tous les domaines économiques, social, médical, pharmaco-militaro-culturel. Tout fout le camp. Pensée magique. Incantation. Demandez aux esprits de nous rendre notre sainte normalité. Demandez à Jésus le retour du monde d'avant. Y aura-t-il un Noël pour ultra-consommer ou devrons-nous seulement partager? Misère, l'effet bœuf pour les ânes. En attendant les rois mages, y a de quoi en faire un fromage. Au pays de l'absurde, des Belges ont demandé le déplacement des fêtes en avril. Noël à Pâques, je suis pour. Avec mes petits pois, j'avais trop envie d'un joli lapin sous vide ou d'un vison sous Covid. Des poils dans la poêle, pois ! Diront les consternés ou les confinés. Stop and go. Allez, on y retourne. Tous en boîte, les petits pois. Non, pas celle-là. Oui, celle-ci. Saison 2, 10e vague. Winter is coming. Rien ne va plus.